29 ans, je suis médecin issu de la faculté de médecine de l'ULB. En parallèle à ma spécialisation en néphrologie, j'ai également entrepris un doctorat en recherche scientifique fondamentale. Alors, j'ai participé au concours d'Answer PhD, qui est un concours international organisé par le journal Science, qui est un journal scientifique réputé au niveau mondial, qui a lancé l'idée de devoir expliquer son PhD, donc son doctorat, en dansant. Je ne m'attendais pas du tout à être finaliste au concours. On était parti sur quelque chose d'assez simple finalement, des chorégraphies et un montage simple, un fil conducteur logique et assez clair, mais sans trop d'effets spéciaux. Vu le contexte du projet de recherche qui était sur le cancer, je pensais que ce n'était pas approprié de faire quelque chose de trop farfelu non plus. Mon idée, c'était de faire quelque chose qui ait du sens, donc notamment de faire des danses avec des prestations de danseurs issus de mon cours de danse, mais aussi de chercheurs issus de mon laboratoire. Je trouvais que ça donnait plus de sens dans une vidéo qui est censée représenter mon projet de recherche. Je pense que c'est très important que l'information des recherches des chercheurs puisse être accessible au grand public. Ensuite, l'expliquer par le biais de la danse, qui est un langage universel. Je trouvais que c'était un challenge très original et intéressant que j'avais envie d'essayer de relever.